Bonjour, bienvenue pour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir série statistique double, c'est-à-dire série statistique à deux caractères. Autrement dit, lors de notre enquête ou de notre étude sur une population donnée, on va s'intéresser à deux critères ou deux caractères. OK? Tout ça comme deuxième science du chapitre, les statistiques. Et pour commencer, on va voir la définition suivante. OK? On considère deux caractères quantitatifs X et Y, quantitatifs, c'est-à-dire mesurables, sur une même population à N individus, individus ou unités statistiques. On note par x1, x2 jusqu'à xn, les valeurs ou modalités du caractère x. C'est-à-dire, notre caractère x peut prendre ces valeurs, x1, x2 jusqu'à xn. Et y1, y2, yn, les valeurs des caractères y. Et nij, l'effectif des couples xi, yj. L'effectif de ces couples ou le nombre des couples XI, YJ. XI, c'est la ième valeur prise par notre caractère X. Et YJ, c'est la jième valeur prise par notre caractère Y. Donc, on appelle série statistique double de caractère X et Y l'ensemble des couples XI, Y, J. Donc, parler de la série statistique double de caractères X, Y, c'est équivaut à donner ou présenter l'ensemble des couples XI, Y, J, bien sûr, avec leur effectif. Tout ça sera donné sous forme d'un tableau. OK, voyons l'exemple suivant et pour fixer les idées. Une étude statistique porte sur une population de 100 familles. OK, deux caractères X et Y sont étudiés. X, c'est le nombre d'enfants et Y, le nombre de pièces d'appartement. C'est-à-dire, on va faire ou on va réaliser l'enquête suivante sur la population de 100 familles. Dans cette enquête, on va s'intéresser qu'au nombre d'enfants de chaque famille et au nombre de pièces d'appartement de chaque famille. On a deux critères à étudier ou à voir. Deux critères ou deux caractères appelé X, nombre d'enfants, et Y, nombre d'appartements, pardon, nombre de pièces dans chaque appartement. Si on observe notre tableau ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le X et le Y. X peut prendre 1, 2, 3, 4 et 5, c'est-à-dire les valeurs prises par X. Et le nombre d'enfants, c'est-à-dire le nombre d'enfants de chaque famille, peut être égal à 1, 2, 3, 4 ou 5. OK? Concernant les Y, c'est s'intéresse au nombre de pièces dans l'appartement. OK? Ce nombre peut être égal à 1, 2, 3 ou 4. OK? C'est-à-dire que dans chaque appartement, on peut trouver une pièce, deux pièces, trois pièces ou quatre pièces. Le 1, le 2, le 3 ou le 4, ce sont les valeurs prises par le caractère Y, nombre de pièces d'appartement. Les valeurs ici avec le noir sont les effectifs ou le nombre de familles qui définit chaque couple. Voyons l'exemple de 19 ici.
19, c'est-à-dire quoi? On a 19 familles ayant deux enfants et deux pièces dans leur appartement. Si on peut le trouver, si on peut l'écrire, si on veut l'écrire sous forme de N, indice IJ. N, c'est l'effectif de quel couple? Pour X égale à 1, pardon, pour X égale à, prend la valeur 2, c'est-à-dire X, I égale à X2, c'est-à-dire N2, et pour Y, I égale à 2, pardon, pour Y, J égale à 2, donc J égale à 2, ça n'est autre que N22, en cohérence avec l'énoncé du cours. Voyons cet exemple, par exemple. Le 5, ici, caractérise quoi? C'est le nombre de familles ayant 4 enfants et 4 pièces dans leur appartement, c'est-à-dire 5 ici n'est autre que N 4 4. Prenons d'autres exemples. Voyons le 1 ici. C'est l'effectif de quel couple? 5 3, c'est-à-dire X5 égale à 5 et Y3 égale à 3, c'est-à-dire le nombre de familles ayant 5 enfants, 3 pièces, c'est-à-dire égale à N, I égale à 5, et J égale à combien? Et J égale à 3, ok? Et ainsi de suite. Le 0 ici, à votre avis, caractérise quoi? Le nombre de familles ayant 5 enfants et 2 pièces dans leur appartement. C'est-à-dire le 0, c'est le nombre de familles ayant 5 enfants, 2 pièces. N 5, 2. Donc, le nombre de familles ici égale à 0. C'est-à-dire, il n'existe pas de famille ayant 5 enfants, 2 pièces. OK? Concernant le total ici, 10, 40, 30, 20, la somme est égale à 100. 10 ici caractérise quoi? C'est la somme de ces effectifs de 1, 2, 1, 4 caractérise encore quoi? Caractérise le nombre de familles ayant une seule pièce dans leur appartement. C'est-à-dire, pour Y, 1 égale à 1, on a 10 familles. Comme si on ne s'intéresse pas au nombre d'enfants ici. Et le 40 ici caractérise ou donne l'effectif ou le nombre total des familles ayant deux pièces dans leur appartement. Et ainsi de suite. Le 20 ici caractérise le nombre de familles ayant quatre pièces dans leur appartement. OK? Ce 20 ici, on peut le diviser 5 familles. 4 pièces, 5 enfants et 5 familles ayant 4 enfants, 4 pièces et 3 familles ayant 4 pièces, 3 enfants et 5 familles ayant 4 pièces, 2 enfants et 2 familles ayant 4 pièces, 1 enfant. OK? Et la même chose. Les sommes ici sur chaque colonne caractérisent le nombre de familles si on s'intéresse qu'aux valeurs prises par le caractère X. C'est-à-dire quoi? Le 12 ici, c'est le nombre de familles ayant
nombre d'enfants égal à 1, c'est-à-dire pour le nombre d'enfants égal à 1, on a 12 familles, comme si on ne s'intéresse pas au nombre de pièces de chaque appartement. Ici, on a 35 familles comme effectif des familles ayant 2 enfants. Ici, 28 familles caractérisent l'effectif de toutes les familles, ayant 3 enfants, et ainsi de suite. Ici, comme si on a X1, N1, X2, N2, X3, N3, X4, N4, X5, N5. Et la même chose ici. Y1, N1. Y2, N2. On a la valeur prise par le caractère et son effectif, ainsi de suite. Y4 égale à 4, N4 égale à 20. OK? La question qui se pose ici, est-ce qu'on peut étudier séparément ces deux caractères X, Y? La réponse est oui, est vrai. Donc, on va parler de tableau de série marginale, c'est-à-dire on va étudier chacun de ces caractères tout seul. OK? Petit a, série marginale de caractère X, c'est-à-dire on va étudier X indépendamment de Y. OK? On va donner, c'est-à-dire les applications qui a XI associe NI. On a dit à l'instant, XI égale à 1, on a N1 égale à 12. X2 égale à, voyons, X1 égale à 1, nombre de familles 12, 2, 35, 3, 28, ainsi de suite. On a pour X1 égale à 1, on a 12 familles, ainsi de suite. Pour X2 égale à 2, on a 12, 20, 35 familles. Pour X3 égale à 3, on a 28 familles. Et ainsi de suite. Pour X5 égale à 5, on a 10 familles. Ça s'appelle série marginale de caractère X. OK? On a étudié X indépendamment de Y. La même chose, on peut voir ou étudier Y indépendamment de X. C'est-à-dire, on peut étudier le caractère Y tout seul. Pour Y égale à 1, on a 10 familles. Y égale à 2, on a 40 familles. Ça, comme on a vu ici. Y1 égale à 1, on a 10 familles. Y2 égale à 2, on a 40 familles. Y3 égale à 3, on a 30 familles ici. Y4 égale à 4, on a 20 familles. Et ainsi de suite. Une question qui se pose ici, quelle est l'utilité des séries marginales à caractère X et Y? On utilise ça, par exemple, pour calculer la moyenne arithmétique, X bar et Y bar. On va voir autre chose dont on peut parler aussi des fréquences marginales des caractères X et Y. C'est-à-dire, on peut donner aussi les fréquences marginales des deux caractères X, Y, c'est-à-dire à XI, on lui fait correspondre FI, et à YI, on lui fait correspondre YI. Ça, c'est facile, et on peut le voir à l'instant. Voyons par exemple les fréquences marginales pour notre caractère X. Qu'est-ce qu'on a dit à l'instant? Pour X1 égale à 1, on a 12 familles. Quelle est la fréquence correspondante? 12 sur fréquence totale, l'effectif total, pardon, qui est égal à 100. Donc, la fréquence ici n'est autre que 12 sur 100. Donc, à X1 égale à 1, on a 12 sur 100 comme fréquence. Donnée sous forme de pourcentage est 12%. Et ainsi de suite. Pour X2 égale à 2, on a N2, nombre de familles, et 35. La fréquence n'est autre que 35 sur 100.
données sous forme de pourcentage et 35%, et ainsi de suite. 4, on lui fait correspondre 10 familles, donc pourcentage 10%. OK? Et la même chose, on va voir le tableau de fréquence marginale du caractère Y. On a vu à l'instant, pour Y 1 égale à 1, on a l'effectif de 10 familles. La fréquence n'est autre que 10 sur 100, donc 10%. Ici, pour N égale à 2, pardon, pour Y égale à 2, ou Y2 égale à 2, on a 40 familles. 2, c'est la valeur prise par le caractère Y. On lui fait correspondre 40 familles. 40 familles divisées par 100, 0,4. Donné en pourcentage n'est autre que 40%. Donc, ici, F1 égale à 10%, F2 égale à 40%, F3 égale à 30%, et ainsi de suite. F5 égale à 10 sur 100. L'effectif du classe Y5, pardon, la valeur Y, qu'est-ce qu'elle a pour Y4 égale à 4? On a l'effectif est de 20 familles, OK? Donc, la fréquence n'est autre que 20 familles sur 100 familles et de pourcentage 20%, OK? Et ainsi, on a bien déterminé les applications du type XI, FI et YI, FI. Ce sont les tableaux des fréquences marginales des caractères X et Y. On va voir maintenant autre chose, à savoir nuage de points. On appelle nuage de points associé à la série statistique double de caractères X et Y les points de couple de coordonnées XI, YJ, d'effectifs différents 0. Comme on a vu à l'instant, le nombre de familles comme effectif des caractères XI, YJ peut être égal à 0 et peut être différent de 0. On s'intéresse qu'aux effectifs qui sont différents de 0. Car si l'effectif est égal à 0, réellement, on n'a pas de couple. Car est d'effectif égal à 0. Voyons un exemple pour fixer les idées. Et on va revoir la notion de l'effectif égal à 0. On va le revoir. Qu'est-ce qu'on a dans cet exemple? Le tableau suivant donne la moyenne générale de 10 élèves, ainsi que leur moyenne en mathématiques. C'est-à-dire notre population ici est de 10 élèves. On s'intéresse à leur moyenne en mathématiques et à leur moyenne générale. Donc, on note X comme caractère moyenne en mathématiques et Y comme caractère moyenne générale. Donc, on a le tableau suivant. Moyenne en maths XI peut prendre 2, 5, 6, 8, 11, 13, ainsi de suite, jusqu'à 19. Et moyenne générale YJ peut prendre 4, 6, 8, jusqu'à 15. OK? On peut définir ici des couples. Moyenne en maths XI, moyenne générale YJ. On parle des couples XI, YJ ici. Le premier couple peut être considéré comme 2, 4, 5, 6, deuxième couple. Jusqu'à notre dixième couple qui est 19, 15. OK? 10 couples ou 10
paire de notes. OK? Quel est l'effectif de chaque couple? Par exemple, le couple 11-9. Combien de couples est sous cette forme 11-9? Il y a un seul élève ayant ces deux notes, 11-9. Donc, l'effectif égal à 1. OK? Ici, l'effectif N-I-J. OK? Donc, chaque couple de moyenne caractérise un seul élève. Revenons maintenant à l'exemple pour comprendre l'effectif égal à 0 ou différent de 0. Les effectifs de tous ces couples sont différents de 0. Preuve qu'ils sont égaux à 1. OK? Par exemple, prenons le couple 20-20, c'est-à-dire un élève ayant 20 comme moyenne mathématique et 20 comme moyenne générale. Théoriquement, on peut voir ce couple, mais réellement, il n'existe pas dans ce tableau. Réellement, on n'a pas un élève qui a 20-20. Donc, le couple 20-20, théoriquement, existe, mais son effectif égal à 0. Donc, le nombre du couple 0-0 n'est pas 1. Comme tous ces couples, est égal à 0. Donc, on n'a pas pris en considération ce couple 20-20, car juste son effectif égal à 0. Encore, par exemple, le couple 5-5. Le couple 5-5, réellement, n'existe pas, mais théoriquement, on peut le voir. Réellement, n'existe pas, car son effectif égal à 0. Car il n'existe pas aucun élève qui a ces deux notes, 5-5. Donc, on n'a pas pris en considération le couple 5-5, car son effectif égal à 0. Donc, vers la fin, on peut prendre que les couples dont leur effectif différent 0. Car si leur effectif égal à 0, ce n'est pas la peine même de les prendre. OK? C'est inutile même d'en parler. Maintenant, on va passer à autre chose. Comment placer tous ces couples dans un repère orthogonal, par exemple? Si on arrive à placer ces points X, Y, J, on a ainsi le nuage de points. OK? Voyons maintenant notre repère. C'est l'axe des abscisses. On a placé les XI. Et c'est l'axe des ordonnées. On a placé les YJ. OK? Les XI peuvent prendre les notes 2, 4, 5, 6, 8, 9, c'est-à-dire jusqu'à notre dernière note qui est 19. Et c'est l'axe des ordonnées, on peut prendre les moyennes généraux, à savoir 4, 6, 9 jusqu'à 16. OK? Donc, les points dont on parle sont les points de coordonnées X, Y, J. Par exemple, ce point est de coordonnées 2, 4. 2 comme abscisse moyenne en mathématiques et 4 comme ordonnées moyenne générale. Ce point a pour coordonnées 9, 9, c'est-à-dire 9 comme moyenne en mathématiques et 9 comme moyenne générale. Le dernier point a pour coordonnées 19, 15, 19 comme X, 10, moyenne en mathématiques, dixième note, et Y, 10 comme ordonnée égale à 15. OK? Donc, l'ensemble de tous ces points définit ce qu'on appelle le nuage de points de notre série statistique double. OK? C'est l'ensemble des couples XI, YJ interprétés géométriquement à des points de coordonnées XI, YJ. Donc,
comme on a dit, l'ensemble de ces points s'appelle nuage de points de notre série statistique double. On va voir maintenant autre chose. On va voir ce qu'on appelle le point moyen. Le point moyen, c'est un point, comme son nom l'indique, est un point un peu spécial, dont ses coordonnées sont X bar et Y bar. C'est pour cette raison qu'on parle des points moyens. Son abscisse, c'est la moyenne arithmétique X bar, et son ordonnée, c'est la moyenne arithmétique Y bar. OK? Ici, on parle de deux caractères qu'on va les étudier sur une même population. Définition. On appelle point moyen d'un nuage de n points m, i, j, de coordonnées x, j, y, j. Ça, c'est l'ensemble des points de notre nuage. Le point moyen de coordonnées x, j, y, j s'appelle point moyen. Son abscisse x, j égale la moyenne arithmétique de notre caractère x. Y, j n'est autre que la moyenne arithmétique de notre caractère y. OK? Pour cette raison qu'on parle du point moyen, car il existe la notion de moyenne arithmétique dans chacun de ces coordonnées. Abscisse x bar et ordonnée y bar. On voit l'exemple suivant pour fixer les idées. Déterminer les coordonnées du point moyen J du nuage de points de la série statistique moyenne math moyen général, la série qu'on a vue à l'instant. OK? C'est-à-dire, on va donner X bar et Y bar. Revenons à notre tableau pour mieux comprendre et pour mieux voir les choses. On va donner X bar et Y bar. X bar égale à combien? 1 sur l'effectif total, 1 sur 10, la somme des X, I, N, I. C'est-à-dire 1 sur 10 fois 2 fois 1, plus 5 fois 1, plus 6 fois 1, ainsi de suite jusqu'à 19 fois 1. La même chose, Y bar, 1 sur l'effectif total qui est 10, qui multiplie Y, J fois N, J, et ainsi de suite. OK? C'est-à-dire 1 sur 10 qui multiplie 4 fois 1, 6 fois 1, plus 8 fois 1, plus 10 fois 1, et ainsi de suite. On va voir maintenant les choses proprement. Donc, X bar égale à 1 sur 100, 1 sur 10, pardon, 2 fois 1, plus 5 fois 1, plus 6 fois 1, ainsi de suite. On va trouver 121 sur 10 égale à 12,1. 12,1, c'est notre moyenne arithmétique du caractère X, X bar. De la même chose, Y bar égale à 1 sur 10 qui multiplie la somme des Y, J, N, J. Les N, J sont tous égales à 1. Donc 1 sur 10, 4 fois 1, plus 6 fois 1, plus 8 fois 1, ainsi de suite. On a trouvé 102 sur 10 qui est égal à 10,2. Donc, les coordonnées du point moyen de notre série statistique double moyenne math moyenne générale n'est autre que 12,1, 10,2. OK? Si on vous demande, par exemple, de placer ce point, OK? Le point de coordonnées 12,1, 10,2. Où est le 12,1? Voyons. L'abscisse, c'est 12,1. C'est le 1 dixième. OK? Et l'ordonnée, 10,2. OK? Ça, c'est notre 8, 9. Ça, c'est 10,2 ici. Donc, il faut respecter les dimensions jusqu'à arriver à notre abscisse indiquée qui est 12,1.
1. Donc ça, c'est notre abscisse. Voyons, je vais tracer proprement notre point ici de coordonnées 12,1, 10,2. Voyons ce point. Ça, c'est notre point, dit point moyen J, OK? Comme on a dit à l'instant, 12,1, 10,2. 12,1 comme abscisse et 10,2 comme ordonnée ici. OK? Ça, c'est le point moyen. On passe maintenant, avant de passer, il faut indiquer ce point est de coordonnées X bar et Y bar. OK, pour ne pas oublier. OK, ça c'est X bar. Et ça c'est Y bar. OK, moyenne arithmétique de deux caractères. OK, on passe maintenant à autre chose et on va voir l'ajustement. C'est quoi d'une manière générale l'ajustement? On parle de l'ajustement linéaire ou affine, c'est-à-dire on va placer la droite la plus proche ou la plus près possible de tous les points de notre nuage. OK? Si on regarde le nuage du point, il faut placer la droite la plus proche possible de tous les points à la fois pour prendre des décisions concernant l'avenir de notre relation X, Y. OK? Donc, l'ajustement peut être, l'ajustement est de tracer ou trouver une droite la plus proche possible de tous les points de notre nuage. Donc, on parle de quelques types d'ajustement. On va voir deux et un autre type, on va le voir ultérieurement. Notre premier ajustement est dit ajustement à la règle. OK? Comme si à la main et on va tracer à la règle notre droite la plus proche possible de tous les points de notre nuage. Ça, c'est la philosophie de l'ajustement à la règle. Donc, on se propose, à partir du résultat obtenu, à faire des prévisions à l'avenir des faits qu'on peut tracer ou on peut obtenir une droite D passant le plus près possible du point du nuage et d'en trouver l'équation du type Y égale à AX plus B. C'est comme on a dit à l'instant, on a notre nuage du point et on va tracer à la règle une droite la plus proche possible qui nous aide par la suite à apprendre des ou à faire des prévisions à l'avenir concernant le type de relation XY. OK? Ça nous aide, par exemple, dans les domaines économiques pour obtenir des prévisions à l'avenir. OK? Donc, par la suite, on peut donner l'équation de la droite. Si on arrive à trouver une droite la plus proche possible de tous les points, donc on désigne deux points, donc on connaît leurs coordonnées, et donc c'est facile de déterminer l'équation de la droite concernant deux points de cette droite, comme on a vu dans les classes de la première année. OK? Et on va le voir dans l'exercice d'application, concrètement, comment on peut déterminer le A, coefficient directeur de notre droite, et le B, appelé ordonnée à l'origine. OK? On passe maintenant à autre type d'ajustement, dit
agissement ou méthode de Mayer. Cet agissement ou cette méthode est basée sur la méthode suivante. C'est qu'il faut partager notre nuage de points en deux sous-nuages. Et on va prendre chaque nuage et on va l'étudier séparément de l'autre nuage de points, dont on donne les points moyens G1 du premier nuage et G2 points moyens du deuxième nuage. Et vers la fin, on va relier ces deux points G1 et G2 et ainsi on a bien obtenu une droite plus proche possible de tous les points de notre nuage initial. OK? Et cette méthode est dite la méthode d'ajustement de Mayer ou méthode de Mayer. Alors, cet ajustement consiste à déterminer la droite passant par deux points moyens du nuage de points. Après, bien évidemment, après partage de notre nuage en deux sous-nuages, on va prendre notre nuage initial et on va le partager en deux sous-nuages. Et chaque sous-nuage, on va déterminer son point moyen. G1 du premier nuage, G2 du deuxième nuage. Ces deux points moyens, on va les relier et on va obtenir notre droite. Et ainsi, on a bien notre ajustement de Mayer. OK? Donc, le point G1 est quoi? A pour coordonnées XG1 bar et YG1 bar. C'est-à-dire quoi? XG1 bar et YG1 bar. C'est la moyenne arithmétique X bar concernant les points du premier nuage. Et YG1 bar, c'est la moyenne arithmétique du caractère Y concernant les points du premier nuage. Et G2 maintenant, c'est XG2 bar et YG2 bar. Ce n'est autre que la moyenne arithmétique du caractère X concernant les points du deuxième nuage. Et YG2 bar n'est autre que la moyenne arithmétique du caractère Y concernant les points du deuxième nuage. OK? Ainsi, on a bien les coordonnées des points G1 et G2. OK? Donc, pour obtenir la droite, donc, graphiquement, il suffit de relier les deux points G1 et G2, dont on peut calculer ces coordonnées. OK? Et donc, notre droite a pour équation AX plus B. Comment on détermine le A et le B maintenant? Le A, c'est le coefficient directeur de cette droite. Et comme on a vu dans les classes de la première année, A égale YG2 moins YG1 sur XG2 moins XG1. OK? C'est-à-dire, d'une manière générale, si on a un point M1 de coordonnées X1 et Y1. OK? Notre droite passe par ces deux points, M1 et M2. M2 de coordonnées X2 et Y2. Comment on détermine maintenant le A, coefficient directeur de notre droite? C'est facile et il suffit d'appliquer cette relation. Le A n'est autre que Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ça, c'est d'une manière générale, vu dans les classes de la première année. Donc, notre droite qui passe par M1, M2 a pour coefficient directeur Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et ça, c'est ce qu'on vient de faire. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et une fois on a bien notre A, on peut déduire facilement le B. Donc, on a M1, vérifie l'équation de cette droite. Donc, Y1 égale à A qui est connu, fois X1 qui est connu, plus le B qu'on est en train de chercher. Donc, le B égale Y1 moins AX1 qui est égal à B. OK?
On va voir dans l'application tout de suite ça. OK? Ça constitue l'ajustement de Mayer. Il existe un autre type d'ajustement, est appelé l'ajustement connu par la méthode du moindre carré. Ça, on va le voir dans les classes ultérieurement. OK? On va passer maintenant aux applications. On va faire une application type qui résume tout. Et surtout, l'ajustement. Le tableau suivant indique les variations des chiffres d'affaires YI d'une entreprise selon les frais de publicité XI. Les chiffres sont donnés en millions de dinars durant 8 dernières années. C'est-à-dire, on va voir deux caractères, à savoir un chiffre d'affaires qu'on note YI et un frais publicitaire qu'on appelle XI. C'est-à-dire, on a le tableau suivant. Première année, deuxième année, troisième année, on a 8 ans. OK? X1 égale à 2, Y1 égale à 52. C'est-à-dire, comme frais publicitaire de 2 millions de dinars, on a un chiffre d'affaires de 52 millions de dinars. Et ainsi de suite. Comme frais publicitaire de 3,2 millions de dinars, on a un chiffre d'affaires de 70 millions de dinars, et ainsi de suite. Ici, au 8e année, on a un chiffre d'affaires de 4,1 millions de dinars qui nous donne un frais publicitaire de 4,1 millions de dinars qui nous donne un chiffre d'affaires de 75 millions de dinars. Qu'est-ce qu'il nous demande maintenant et à l'instant? Représenter le nuage de points associés à cette série dans un repère convenablement choisi, dont on a XI sur l'axe des abscisses, YI sur l'axe des ordonnées. Donc, dès le début, on nous demande de placer les points où il nous demande de placer le nuage du point. 2 comme abscisse, le point M1, 2 comme abscisse 52, le point 2,2, M2,2, 2,3, 2,3 comme abscisse 59 comme ordonnée. Le dernier point, c'est-à-dire M8,8, ayant comme coordonnée 4,1 abscisse et 75 millions de dinars comme ordonnée. On va voir le nuage de points. OK? Voyons notre nuage de points. Les XI, on les trouve sur l'axe des abscisses. OK? Ce sont les points en rouge, ce sont les points de coordonnées XI, YJ, c'est-à-dire notre nuage du point. Comme premier point, 2 et 52 comme ordonnées. OK? L'autre point, 2,3 et 59. OK, voilà. 2,3 comme abscisse, 59 comme ordonnée. L'autre point, 2,6 comme abscisse et 60 comme ordonnée. OK.
l'autre point, par exemple, 3,5 comme abscisse et lui correspond quoi? Je vais voir. Elle est ici, pardon. 3,5, 72 comme ordonnée. OK? Ce point, 4,1 comme abscisse et 75 comme ordonnée. OK? Ce point, 2,6, 60 et ainsi de suite. Donc, XI constitue les abscisses et les YJ constituent les ordonnées. OK? Bien évidemment, l'unité, c'est 1 million de dinars. Ça, concernant le nuage du point, ce sont les points colorés avec le rouge. OK? On va voir autre chose maintenant. On considère les points moyens J1 et J2 des sous-nuages obtenus respectivement pour les 4 premières années et les 4 dernières années. OK? Donc, ici, on va diviser le nuage du point en 2 sous-nuages. 4 points, 4 points. OK? C'est-à-dire, on va diviser ce tableau en 2 parties. OK? On va considérer ces points comme premier nuage et ces points comme deuxième nuage. OK? Pour obtenir les points moyens J1 et J2. OK? Je vais dresser les deux tableaux suivants. Soit N1, notre premier nuage des 4 premiers points. L'année 1, 2, 3 et 4. XI convenable, 2, 2,3, 2,6, 2,9. OK? Les YI sont 52, 59, 60 et 65. On n'a rien presque fait, on a divisé notre tableau en 2 sous-tableaux pour obtenir 2 sous-niages, 2 points. OK? Pour obtenir le point J moyen, donc J1 a pour coordonnées X1 bar, Y1 bar, c'est-à-dire la moyenne arithmétique du variable XI ou de caractère XI concernant notre premier nuage, c'est-à-dire moyenne arithmétique pris pour ces 4 points. Donc, le point moyen J1, X1 bar, Y1 bar. X1 bar égale à combien? Égale à 1 sur l'effectif total. L'effectif total n'est autre que on a 4. OK? Et la somme des XI, NI. XI égale à 2, 2,3, 2,6, 2,9. Et l'effectif à chaque fois est égal à 1. OK? L'effectif total, on a 4. 1 sur 4, la somme des X, I, N, I, donc 1 sur 4, 2 plus 2,3 plus 2,6 plus 2,9 qui est égal à 2,45. OK?
2,45 n'est autre que la moyenne arithmétique de notre caractère XI ici. Et on va prendre Y1 bar comme moyenne arithmétique concernant la variable YI. OK? Ici, l'indice 1 pour dire notre premier sous-nuage. OK? N'est autre que 1 sur 4, 4 c'est l'effectif total, la somme des YI, NI. OK? I allant de 1 à 4. Y1 égale 52, Y2 59, Y3 60, Y5 égale 65. Soit alors, Y1 bar égale à 59. Donc on a J1 comme point moyen de notre premier soulignage qui est égal à 2,45, 59. Ça, c'est notre premier point moyen. De la même manière, on va voir le point moyen J2. Prenons l'autre nuage, à savoir qui va commencer par notre cinquième année, sixième année, septième année, huitième année. La même chose, les XI sont 3,2, 3,5, 3,8, 4,1 et les YI sont 70, 72, 73, 75. La même chose, le point moyen J2 est X2 bar, Y2 bar. X2 bar égale à 1 sur 4, la somme des XI est allant de 1 à 4. OK? Ici, les effectifs sont, à chaque fois, on a X1, on lui fait correspondre un effectif égal à 1. OK? Un sur 4 qui multiplie 3,2 fois 1, plus 3,5 fois 1, plus 3,5 fois 1, plus 4,1 fois 1. Donc, X bar ici égale à 3,65. X2 bar ici, l'indice 2 pour dire la moyenne arithmétique concernant notre caractère XI du deuxième nuage. De la même manière, Y2 bar concernant les points du deuxième nuage, 1 quart fois la somme des YI, NI. NI égale à, NJ, pardon, égale à 1. Égale à 1 quart fois la somme de 70 fois 1, 72 fois 1, 73 fois 1, 75 fois 1. Et ainsi, on a obtenu tout calcul fait. Y2 bar égale à 72,25. Donc, Y2 ayant pour coordonnées (3,65) comme abscisse et 72,25 comme ordonnée. OK? Donc, on a maintenant J1 et J2, les deux points moyens. J1, point moyen du premier nuage, J2, point moyen du deuxième nuage. Donc, la méthode de Mayer consiste à relier ces deux points, J1 et J2, dont on connaît ses coordonnées, c'est-à-dire on peut déduire vers la fin l'équation de cette droite. Donc, du point de vue traçage de la droite J1 et J2, c'est facile. Il suffit de placer le point J1 et J2 et relier ces deux points. On va voir ces deux points sur notre graphique. Donc, comme on a vu à l'instant, J1 a pour abscisse 2,45 et pour ordonnée 59. Donc, je peux placer mon point G1, le point moyen du 4 premiers points, de ces 4 points. Voyez, ces 4 points. Ça, c'est le premier nuage. Et ça, c'est notre deuxième nuage. OK?
Donc, chaque nuage ou chaque sous-nuage, on a donné son point moyen. Donc, le deuxième point moyen, G2, point moyen de ces quatre points, de ces quatre, de ce sous-nuage. L'abscisse est 3,65, c'est X. Ça, c'est X2 bar, exactement en cohérence avec l'énoncé de l'exercice. Et ça, c'est X1 bar, OK? La moyenne arithmétique de notre variable X. Et J2 a pour ordonnée 72,25, qui est égal à, ici, n'est autre que Y2 bar, OK? Et la même chose, le 59 ici n'est autre que le Y1 bar. OK. Donc, G1 a pour coordonnées X1 bar et Y1 bar et G2 a pour coordonnées X2 bar et Y2 bar. OK. Donc, notre droite dite droite ou ajustement de Mayer, il suffit de relier ces deux points G1, G2. Et comme vous le constatez, G1, G2, c'est la droite la plus proche possible des points de notre nuage de points, de ces huit points. C'est la plus proche ou la plus près possible. Donc, on va maintenant voir comment on détermine son équation. L'équation n'est autre que Y égale à 11,04X plus 31,95. On va voir la méthode, comment obtenir ou comment aboutir à cette équation. Donc, graphiquement, c'est clair. On divise notre nuage en deux sous-nuages. Et chaque sous-nuage, on détermine son point moyen. Et on relie ces deux points, on a obtenu notre droite, G1, G2. Maintenant, on va voir comment déduire ou comment obtenir l'équation de la droite. C'est facile et grâce au cours de la première année, l'équation de la droite G1, G2 est sous cette forme. L'équation, il s'agit d'une équation affine, Y égale à, pardon, il s'agit d'une application affine, Y égale à AX plus B, OK? Le A n'est autre que, comme j'ai dit, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, YJ2 moins YJ1 sur XJ2 moins XJ1. C'est-à-dire Y2 bar moins Y1 bar sur X2 bar moins X1 bar, OK? Ça, c'est la méthode générale. Donc, tout calcul fait, YG2 moins YG1 égale 72,25 moins 59 sur 3,65 moins 2,45. Donc, on va trouver vers la fin que A, le coefficient directeur de notre droite, n'est autre que 13,25 sur 1,2, qui est égal à 11,04. Donc, notre A est égal à 11,04. OK? Il suffit d'appliquer la méthode générale. A égale à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1 avec cette droite passant par les deux points M de coordonnées X1, Y1, X2, Y2, le point M2 de coordonnées X2, Y2. Donc, pour déterminer le point B, c'est facile maintenant. Donc, les coordonnées du point M1 qui sont Y1, X1, vérifie bien l'équation. OK? Donc, B n'est autre que B égale à Y1 moins AX1 égale à B. OK? Or, le B ici, Y1 égale à 59 moins le A égale à moins 11,04 fois le X1 égale à 2,45. Ça, c'est le X1 et ça, c'est le Y1. On a pris le point de coordonnées X1 et Y1. OK? C'est-à-dire X1 bar, Y1 bar. On a trouvé vers la fin B égale à 31,85.
Ça, c'est facile et on peut le voir sans aucun doute. C'est-à-dire, on a utilisé vers la fin que cette loi vérifie l'équation du point J1, tout simplement. J1 de coordonnées X1 bar, Y1 bar. Ici, il suffit d'ajouter le bar. C'est tout. X1 bar, Y1 bar. OK? Donc, tout calcul fait, on a trouvé que notre B égale à 31,95. Et comme ça, on a obtenu l'équation de la droite J1, J2 et sous cette forme, Y égale à 11,04X plus 31,95. Quelle est l'utilité d'obtenir l'équation de la droite pour prendre des décisions concernant l'avenir? Car on a une relation entre les frais publicitaires et les revenus de notre société d'une manière générale. OK? Donc, on peut prendre des décisions concernant l'avenir. Ça, c'est l'utilité de l'ajustement d'une manière générale. OK? Cette méthode, comme vous le connaissez, est dite méthode de Mayer. C'est notre dernière application. OK? Et comme ça, on a terminé cette séance. Merci pour votre attention. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt. Au revoir.